Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les produits terminés. Donc, je vais commencer par le produit ici, qui se trouve être une crème anti-rides de Neostrata. Moi, je l'ai beaucoup aimé cette crème-là parce que je trouvais qu'elle était légère. Puis la texture est comme à mi-chemin entre la crème et le gel. Puis moi, j'ai la peau mixte, donc j'aime mieux quand c'est pas trop gras. Puis ça, je l'ai trouvée parfaite. Elle n'était pas grasse du tout, cette crème-là. Puis elle est sans odeur. Moi, je l'avais appliquée le soir, puis le lendemain, je sentais encore de l'hydratation sur la peau. Donc, je la trouve vraiment efficace. Là, le couvert est un petit peu brisé, il ne ferme plus. Mais ça donne bien parce que je l'ai terminé. Fait que je l'ai vraiment aimé. Ensuite, j'ai ce produit-ci qui vient de la compagnie Seul Washu. C'est une compagnie de produits coréens. Puis c'était une crème qui était très très légère. En fait, je l'ai trouvée parfaite pour l'été. Au niveau de l'odeur, j'ai trouvé que ça sentait la crème ordinaire. Là, une odeur de crème, rien de particulier. Mais par contre, le désavantage là-dedans, c'est que quand je l'ouvrais comme ça, je ne peux pas peser sur le contenant. C'est un 15 ml, là, je ne pouvais pas peser dessus parce que c'est tellement dur le contenant que j'ai eu vraiment de la misère à faire sortir qu'est-ce qui restait à l'intérieur. C'est sûr que c'est un échantillon, j'ai quand même pu la tester comme il faut, mais je l'ai vraiment aimée, elle était vraiment très légère. Ensuite, j'ai le sérum ici que j'avais acheté, c'est de la compagnie Biotherm, c'est le sérum Blue Therapy Serum in Oil de nuit. Donc on doit l'appliquer la nuit. Puis ça c'est un 30 ml. Ce sérum là, je l'ai plus ou moins aimé parce qu'il était huileux. Moi, j'aime pas les sérums huileux, j'aime mieux comme quand c'est sous forme de gel ou quand c'est presque liquide. Donc à cause de ça, je l'ai moins aimé, mais je doute pas de son efficacité. Mais je le rachèterai pas à cause de l'effet huileux. Puis, j'ai encore un autre sérum, toujours de la compagnie Biotherm. En fait, il m'avait donné un sac d'échantillons quand j'avais acheté l'autre sérum. Fait que ça, c'est le sérum Aquasource Deep Serum. Puis, ils disent concentré, hydratation profonde et lumière. Celui-là, je trouvais qu'il sentait un peu le médicament. Il y avait une texture gel, mais moi, ça ne m'a pas dérangé. Puis, je le trouvais bien. Mais au moins, celui-là, il n'était pas huileux. Fait que je l'ai préféré à l'autre d'avant que j'avais acheté. Un autre petit produit, bon, ça, c'est juste un échantillon, mais je l'ai gardé parce que je trouvais l'odeur tellement géniale. C'est de la compagnie Garnier. Ça s'appelle All Blends. C'est un revitalisant à la noix de coco. Mais l'odeur, là, c'est génial. Essayez ça, là, ça vaut vraiment la peine. Ça sent super bon. Donc, moi, je suis susceptible de le racheter, celui-là. Puis, on a ce produit-ci qui est de la compagnie Marie Kay. Marie Kay, c'est une compagnie qu'on ne peut pas acheter en magasin. En fait, ils n'ont pas vraiment de magasin. Ça se commande par Internet. Puis, on peut avoir une représentante aussi qui vient à la maison pour nous expliquer les produits et pour nous en vendre. Donc, moi, j'avais le Time Wise. C'est la solution nocturne. C'était un 29 ml. En fait, c'est comme une sorte de sérum, dans le fond. Moi, ce produit-là, je l'ai adoré. Il était sous forme de gel. Il est très léger, il s'étend bien, il est sans odeur. Puis pour le visage, je trouve que c'est préférable d'avoir des produits qui sont sans odeur. Puis je l'ai vraiment, vraiment apprécié. Donc, je vous le suggère. Ensuite, j'ai reçu des échantillons de la marque Dove. C'est la gamme Advanced Air Series. Puis, c'est pour les cheveux secs, ondulés ou bouclés. Puis, à l'intérieur, ils disent « cheveux parfaitement nourris et faciles à coiffer pendant 72 heures ». Moi, au niveau du shampoing, ben, j'avais trouvé que l'odeur était douce et discrète. Donc, pour ça, ça va. Pour ce qui est des cheveux, je trouvais que ça donnait un look de cheveux pas lavés. Donc moi, j'ai vraiment pas aimé ça, mais c'est sûr aussi que ça dépend des types de cheveux. Il y en a qu'il y a des gammes qui leur vont bien, puis d'autres qui leur vont pas bien du tout. Moi, ça allait pas du tout.
Pour ce qui est du revitalisant, ben c'était bien, c'était correct. Le sérum crème, parce qu'il y avait un sérum crème qui venait avec ça, celui-là, je l'ai trouvé bien. Ici, ça vient en flacon pompe. Ça enlève toutes les frisottis, puis ça rend les boucles plus lisses et dociles et plus faciles à coiffer. Donc moi, c'est le sérum crème que j'ai aimé dans cette gamme-là. Mais quand même, je ne rachèterai pas ces produits-là. Ensuite, j'avais ça comme échantillon. C'est une crème hydratante jeunesse, jour et nuit. Puis c'était 7 doses. 7 doses de crème, c'était des petites capsules qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est la compagnie Ioma Paris. Donc, il n'y avait pas de gaspillage au niveau de la crème, étant donné que c'était des capsules. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'odeur. C'était une texture entre le gel et la crème, puis je trouvais que c'était une crème qui était très rafraîchissante. Puis c'était léger, pour une crème d'été, c'est parfait. J'ai trouvé que la crème pénétrait bien dans la peau, puis c'était pas collant. Donc moi, j'ai bien aimé cette crème-là, fait que c'est quelque chose que je rachèterais. Ensuite, dans une box, j'avais reçu 3 échantillons de Monsieur Blanc. Ça se trouve être un blanchissant pour les dents. Donc, on avait des petites bandes à mettre sur les dents. Il y en a pour les dents d'en haut et en bas, évidemment. Puis, on les laissait 30 minutes. Puis ensuite, il fallait les retirer. Moi, ça ne m'a pas sensibilisé les dents, contrairement à d'autres produits dans le même genre que j'avais essayé. Puis après, j'avais des dents sensibles. Je n'aimais pas trop l'effet. Avec eux autres, ça ne m'a pas fait ça. Ça semble efficace. Moi, je vois vraiment une différence après l'avoir essayé 3 fois à date. Là. Je vois vraiment une différence au niveau de la blancheur des dents. Puis, je trouve que c'est facile à utiliser. Donc, c'est un produit que je serais susceptible de racheter. Pour finir, on a un gel douche de la compagnie Corès qui était à la poire et bergamote. Moi, j'ai adoré ce gel douche-là. J'ai trouvé que l'odeur était vraiment très, très agréable. C'est rafraîchissant. C'est vraiment super. Donc, moi, je vous recommande fortement ce gel douche-là. Par contre, il mousse peu, mais c'est pas vraiment un problème. Donc, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!